bonjour, bienvenue au bord de l'eau, ou là, plutôt dedans. Aujourd'hui, une rivière mythique, réputée pour ses descentes en canoë, ses coins de baignade, une destination ô combien prisée par les touristes étrangers. Elle porte le nom de son département, défendu avec fierté par ses habitants, l'Ardèche. J'espère attraper quelques jolis spécimens que recèle cet endroit magnifique. Maintenant, action. Donc après avoir changé de t-shirt là, me mettre un peu au sec, ben je vais vous présenter la pêche. Donc là j'ai fait un... J'ai trouvé quelque chose à 27 mètres à peu près. Et là je suis occupé d'amorcer dessus. Donc je prends expressément des grosses cages à feeder. Voilà, je vais vous les présenter là. Voilà, des boules comme ça. J'ai clippé ma ligne et j'ai pris un axe en face sur la berge. Voilà, sur le clip, sur la zone. Et on laisse descendre en accompagnant le feeder. Voilà, je mets à peu près. Et là, voilà, on n'a pas peur. Je mets à peu près 10 cages. Une dizaine. C'est la rivière. Hein. Voilà. Là, c'est pas vidé complètement. Mais... Voilà, on attaque.
Voilà. Découverte, Gilles, pour ce parcours, découverte pour ce poste. Quelle a été la pêche? Oui, c'est une découverte pour moi. Hein. C'est la première fois que je pêche l'Ardèche déjà, et en plus ce secteur que je ne connais pas. J'ai pu observer deux cassures, une cassure à 17 mètres environ et une cassure un peu plus loin. Et donc voilà, j'ai voulu faire deux coups séparés, voir un peu les poissons sur quel passage ils pouvaient faire et voilà, me donner le plus de chances possible de mon côté. Quoi. Et la technique abordée, c'est exactement la même que celle qu'on a utilisée pour la première, que tu as utilisée pour la première vidéo, ou tu as essayé de modifier un peu cette technique-là? Ouais, non, rien à voir. C'est vraiment une technique complètement différente. Déjà rien que par rapport au montage, donc c'est déjà du plus lourd parce que c'est du poisson de rivière, quoi. Donc c'est du poisson sauvage, beaucoup plus puissant, plus combatif, donc rien que déjà au niveau du montage ça change. Et au niveau de l'amorçage aussi du coup, parce qu'il faut amorcer beaucoup plus lourd qu'en plan d'eau. Quoi. Amorce, tu as prévu lourd, tu as utilisé quoi comme amorce? Ah ben ouais, j'ai prévu lourd en fait. Lourd, c'est bien un grand mot, mais lourd déjà pour le feeder. Hein. Je suis parti déjà sur une pêche de matinée avec au moins 2 kg minimum. Je suis parti sur une caperlan rivière et que j'ai mélangé avec une caperlan en brain compétition. Moi, j'aime bien enrichir mes amorces avec le chêne-vie moulu, grillé. Je trouve que ça donne une identité supplémentaire et voilà, moi j'y crois. Donc après, sur cette amorce-là, je l'ai enrichi avec des asticots morts. Alors pourquoi morts? Parce qu'avec le courant, au moins l'appât reste au fond de l'eau. Hein. L'asticot vivant va bouger. L'asticot mort, donc ça donne un peu une signature au fond de l'eau. Quoi. Pour la première vidéo, on sait que tu as utilisé la sensitive comme canne. Et là, vu que tu as deux coups de pêche, tu as utilisé une autre canne avec? Ouais, tout à fait. J'ai fait, bien sûr, je suis resté fidèle à ma sensitive de chez Caperlan. J'ai fait le coup à 17 mètres avec la petite canne, mais j'ai mis le sillon plus fort parce que on doit quand même pêcher à 60 grammes. Et par contre, pour la pêche, on va dire un peu plus loin, plus dans le courant, donc avec une cage beaucoup plus lourde, j'ai pris la Black Rod Feeder de chez Caperlan en 3,60 m. Elle est pas mal aussi. C'est une canne beaucoup plus puissante et avec une réserve de puissance supplémentaire aussi. T'es en train de me dire qu'avec l'utilisation de ces deux cannes, c'est un passe-partout pour à peu près tous les postes et tous les secteurs de pêche? Ouais, quasiment. Moi, c'est vrai que je pêche aussi bien les gravières, les petits plans d'eau. Bon, maintenant les rivières, l'Ardèche, effectivement, c'est une première pour moi. Le Rhône, mais avec ces deux cannes, ouais, bien entendu, on peut pêcher partout, puisqu'ils ont en plus des sillons, ils ont trois sillons avec des résistances et des poids différents qui te permettent de passer partout. On peut pêcher en 10 grammes, comme avec la Black Rod Feeder, on peut pêcher jusqu'à 120 grammes en cage, quoi, ce qui est énorme. Le poste, tu ne le connaissais pas, tu l'as bien expliqué. Par contre, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des trous de pêche. Tu l'expliques comment? C'est, j'ai envie de dire, c'est la pêche, quoi. Moi, ça fait 40 ans que je pêche, j'ai toujours pas compris, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Après, il ne faut pas trop se poser des questions. Une belle approche, je pense, une belle approche, c'est-à-dire une pêche précise avec une bonne amorce. Pour rester confiant. Après les trous, c'est peut-être changement de courant, peut-être. Moi j'ai remarqué qu'en grande période de chaleur, le poisson était complètement timide. À l'écoute du matin, à la fraîche, ils sont beaucoup plus productifs. Ouais. Pêche le matin, pêche fin d'après-midi. Ouais, et à partir de là, tu arrives à trouver une pêche intéressante au niveau poisson, parce que tu as réalisé quand même quelques poissons. Hein. Ouais, je suis content parce que voilà, j'ai bien démarré, donc c'est vrai, ça donne une confiance supplémentaire. Bon, je démarre avec 2-3 brèmes de 2000 points et puis une pépite, quoi, une tanche de au moins 3000, quoi,
des super poissons. Donc là, c'est vrai qu'on on va dire, sur la bonne pêche. Après, les trous, effectivement, ben, c'est les trous. Mais si derrière, on reprend du poisson, c'est que voilà, c'est comme ça, quoi. Après, est-ce que je vais renchérir de l'amorce? Je sais pas, on va voir ça en cours de pêche. On s'aperçoit aussi, et il est vrai, on s'aperçoit aussi que de pratiquer des secteurs comme ça, comme les rivières, fleuves, en milieu sauvage, c'est tout de même intéressant pour la pratique de la pêche. C'est pas comparable, c'est l'émotion pure et dure, quoi. Parce que là, on est dans l'élément le plus naturel possible. Il n'y a pas, voilà, c'est une nature profonde, on peut voir, là en plus on a beaucoup de chance parce qu'il y a des carpes qui fraient. Donc on voit de l'activité en permanence, on peut voir des hérons cendrés passer, enfin voilà, quoi, c'est le top. Il n'y a pas mieux pour se vider la tête, il n'y a pas mieux que ça. Quoi. Pêche, loisir, nature, du bonheur. Ouais, que du bonheur. Bon, je vais te laisser continuer. Bonne pêche à toi et puis on recommence, on filmera ça ce soir, enfin en fin d'après-midi. Oui, d'accord, ça va. Thank you.
Encore un joli trésor. Donc voilà, comme il y a des belles brèmes sur le cou, ben un joli bouquet d'asticots, ça, elles en raffolent. Voilà ce que peut receler cette magnifique rivière, des poissons tout simplement extraordinaires. Là, les boutons de noces, vous voyez, ça va frayer. Alors le montage que j'ai utilisé pour la pêche d'aujourd'hui, la pêche de rivière, ben, je vais vous le présenter, je vais vous le montrer. Donc je vais prendre environ 1 mètre de fluorocarbone en 30 centièmes. Je vais emprisonner un petit émerillon. Voilà, je vais glisser là. Je vais le torsader pour en faire une tresse. C'est très simple. Hein. Ok, là après, je vais faire une double boucle, une fois, deux fois, et je vais tirer, voilà. Ensuite, je vais couper l'excédent de fil. Voilà, donc on a cette partie tressée avec l'émerillon emprisonné dedans. Ensuite, nous allons mettre ce qu'on appelle un stop float. Donc ça, c'est vendu dans tous les commerces. Hein. On va glisser jusqu'au nœud, ici. Ensuite, je vais prendre une perle en caoutchouc classique. Je vais l'enfiler
Voilà. Et ensuite, je vais prendre une attache feeder que je vais mettre aussi sur mon corps de ligne. Voilà. Hop. Donc le montage est prêt. Donc ça, vous pouvez le réaliser directement sur votre corps de ligne, directement sur votre moulinet. Là, je l'ai fait pour le montage. Après, on peut l'attacher aussi. Donc, je vais vous montrer après avec la cage feeder ce que ça peut donner. On prend une cage feeder. Voilà. Et vous avez vu que la partie stressée, elle se décale du feeder, donc pas d'emmêlement possible. Voilà. Le montage, il est tout simplement prêt. Après, le poids des feeders, c'est en fonction de la pêche. Mais ça, on le voit directement en situation. Voilà, premier montage réalisé pour la pêche en rivière. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, très simple. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter la bourriche, ma première bourriche de rivière. Et je suis vraiment hyper content, ça a super bien marché. Donc je vais essayer de la lever tranquillement. Il y a vraiment du bruit. Voilà. Là, je les mets exprès dans une bassine d'eau pour moi. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Voilà, j'ai fait que des belles baleines comme ça, c'est phénoménal. On va les relâcher tranquillement. Elles sont en frais. Regardez ça. Voilà, tranquillement, on va les mettre à l'eau. Ah ben, elles sont encore vivaces. Ah non, moi ces poissons, c'est de la magie. Voilà, tranquillement. Merci. Voilà, que des beaux poissons. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais... Et puis je vais vous présenter la pépite. Belle tanche, magnifique tanche, vraiment hyper content. Ah, il y en a encore. Voilà, les petits carassins sont venus nous rendre visite aussi. Voilà, encore des brèmes. Voilà, et ma deuxième pépite, deuxième petite tanche, vraiment content. On a trouvé la pêche, il y a même des petits gardons. Voilà. Voilà, belle pêche de rivière. Ah, j'ai sûrement fait une belle approche. Comme je vous ai dit, là, j'ai fait deux coups. Un coup loin, un coup près. Je pense que c'est le coup plus loin qui a mieux marché. Peut-être que la méfiance du poisson, l'eau est très très claire. Donc voilà, on fera le débrief avec Seb pour vous présenter encore les montages et vous expliquer encore certaines choses qui nous a permis de faire cette pêche fantastique de rivière. Voilà, je vous dis à la prochaine, à très vite, toujours au bord de l'eau. Salut! Tu as pensé quoi de cette session à l'Ardèche, de cette pêche que tu as faite pour la journée et ton ressenti général? Ben écoute, c'est que des super souvenirs, sûrement pour moi inoubliables. Ben une pêche qui s'est bien passée parce que les poissons, malgré la frayeur des carpes, comme on a pu voir dans la vidéo, ben ça s'est pas trop mal passé.
Ensuite, l'approche, je l'ai expliqué un peu, hein, c'est plutôt le coup au loin qui a bien marché. L'amorçage, j'ai misé sur une amorce gros poisson, plutôt traçante, hein, en rivière, avec une identité sous le fond, comme je l'ai expliqué aussi. Au niveau montage, j'ai mis tout de suite du 16 en hameçon et du 16 en bas de ligne, avec un bas de ligne assez long, 16 centièmes, donc avec un bas de ligne au moins d'un mètre. Et puis voilà, après le ressenti, c'est voilà, je l'ai expliqué, des coups de mou, hein, pas jamais perdre espoir, quoi, hein, je veux dire, c'est aussi un peu ça la pêche, hein, mais en tout cas, voilà, quand on fait des bourriches comme ça, on a vraiment pas à se plaindre, et en plus dans le cadre, donc c'est phénoménal. Après, comme on le disait au premier débrief qu'on avait fait intermédiaire à midi, on s'est aperçu qu'il y avait des trous de pêche. Est-ce que tu penses que l'histoire de la fraie des carpes, ça a apporté ce supplément de distance au niveau des tout ce qui est carassé, brème, sur ta pêche à toi, attention. Ben, après, on l'a vu, on ne peut pas le nier, c'était la fraie des carpes. Donc, je pense que pour moi, ça a fait un plus. Parce que ça a donné une concurrence en plus alimentaire supplémentaire, parce qu'on sait très bien que les poissons, notamment brème, carassin, se nourrissent des œufs des autres poissons. Donc en fait, ça a attiré, à mon avis, ça a dû attirer moult de poissons sur le coup, quoi. Après, mon amorce à moi, c'est vrai que ça a peut-être été un supplément, mais bon, faire des bourriches comme ça, franchement, voilà, il a dû se passer quelque chose. C'est pas possible, moi ça m'est jamais arrivé. Après, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Au départ, tu as attaqué avec un ou deux asticots sur l'hameçon, parce que j'observais un peu, je regardais ta technique de pêche pour essayer d'apprendre aussi. Et je me suis aperçu qu'au fil de ta pêche, tu commençais à augmenter et tu es arrivé à faire des grappes. Ouais. Et c'est les grappes qui ont donné cette pêche supplémentaire. En fait, je me suis aperçu qu'avec un asticot, deux asticots, je ratais des touches. Ils étaient sucés, ils étaient partis et j'ai pas pris le poisson. Après, j'ai dit, j'ai augmenté volontairement la bouchée. Et c'est vrai, quand je me suis aperçu de la grosseur des poissons, il n'y avait plus de doute dans mon esprit, quoi. Fallait mettre des grappes parce que fallait que ça bouge beaucoup dans l'eau. Fallait donner un gros appât parce que quand on voit les poissons qu'on a fait, il n'y a pas photo. Après, au niveau appât, c'est vrai que je suis plutôt resté sur l'asticot. J'ai fait quelques pêches aussi au maïs et j'ai toujours un petit peu de terreau avec moi. J'ai pris du poisson sur les trois, hein. Mais j'étais plus confiant sur la grappe d'asticot. Si sur les vidéos que l'on dépose sur la chaîne YouTube, si des jeunes souhaitent te poser des questions, tu seras toujours attentif pour y répondre et pour leur donner des conseils. C'est aussi un peu le but de notre aventure, quoi, hein. Nous, on l'a fait avant tout sans prise de tête. Moi, je vais essayer de partager avec un maximum de personnes. Moi, je ne suis pas connu, hein, je ne suis personne. Je suis simplement un passionné de pêche depuis plus de 40 ans. Maintenant, c'est vrai que, tu fais bien de le dire, hein, on a de plus en plus d'abonnés, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, d'abonnés, oui. Et donc, c'est vrai que tu m'aides aussi sur les réponses aux questions, quand on peut, parce qu'on a une vie professionnelle aussi, donc on le fait par loisir, quoi. Et non, mais bien sûr, on le fait que pour ça même d'ailleurs. Après, pour prendre du plaisir à la pêche, effectivement, la nature, se reposer un peu, et c'est vrai, partager un petit peu. Et si jamais c'est vrai qu'il y a des jeunes, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des questions sur les montages, mais je pense qu'on fera nécessaire pour leur faire une toute petite vidéo, je pense à Tony notamment. Et donc voilà, et puis aussi merci aussi à tous ceux qui ont fait des commentaires. Et c'est vrai que c'est sympa de voir ce genre de réaction, quoi. Vu qu'on est en train d'essayer de parcourir des sites et des lieux qui sont sauvages, mais en plus intéressants, parce qu'il faut être honnête, on est au milieu de la nature, c'est magnifique, on a quand même ce plaisir, nous, et l'avantage et la chance de vivre dans une région où on a des tonnes de lieux. La prochaine aventure, tu comptes te la faire où? Ça fera peut-être rêver un peu des jeunes. Ouais, je sais pas, oui, alors bon, on va essayer de monter en volume, c'est-à-dire que je pense que là, après la rivière, j'espère pouvoir faire un fleuve. Donc le fleuve de chez nous, hein, donc il est autant connu, pas pour ses balades en canoë, mais ce sera sûrement le Rhône, ouais, dans des coins un petit peu
toujours sauvage, de toute façon. Toujours sauvage. Toujours sauvage. Toujours naturel, avec, voilà, avec presque perdu, on va dire. Donc, il peut y avoir des belles surprises aussi à la fin. On va faire le mot de la fin, je vais te les laisser. Tu as la caméra qui est en face. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire en dernier, en conclusion de ces aventures ? Ben, écoutez, moi j'ai pris énormément de plaisir et vous savez que ben, je vais vous dire à très vite et toujours au bord de l'eau, mais pas maintenant, action, après. Donc je vous dis à très vite au bord de l'eau en tout cas et j'espère le Rhône. Et donc voilà, à très vite. Merci en tout cas pour tout.